revêtue d'ornements spéciaux en harmonie aux couleurs du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, les chantres de l'Éternel ont répondu présents au festival de louanges et d'actions de grâce du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Donc pour aujourd'hui, nous portons cette tenue particulièrement pour ces grands jours, ces jours de joie, de fête. Nous sommes venus. Les semeurs sont là. Et nous-mêmes, nous savons que les semeurs, même s'il y a la pluie, même s'il chauffe, les semeurs sont là. Donc nous allons faire la fête. Nous allons faire descendre Dieu. Nous avons eu des temps de retraite. Chaque semeur a pris le temps de faire au moins 12 heures de retraite ces jours. Et nous venons pour faire descendre Dieu et pour élever l'esprit des frères vers Dieu. C'était effectivement des merveilles que préparait cette grande armée devant laquelle marche la sœur Carole Babatunde. Elle a mis tout le monde au pas, les petits-enfants, les pianistes, les choristes, les guitaristes, les batteurs de conga qui nous gratifiaient d'un sourire, signe de joie, de succès. Ce succès qui a soldé le son des mélodies retentit à Atikwa, qui n'a pas laissé indifférent les pasteurs Boniface et Colette Meunier, missionnaires de la CMCI, dans la nation ivoirienne. Invité par le pasteur Boniface Meunier, orateur de la rencontre, les semeurs de l'Évangile ont parlé au cœur des hommes. Par le chant « Quand l'esprit est là, la victoire est totale », ils ont montré aux âmes perdues que la seule personne qui pouvait mettre un terme au péché dans leur vie, c'est le Saint-Esprit. Avec lui, les échecs dus aux volontés charnelles d'abandonner le péché prennent fin et laissent la place à la victoire devant la tentation et les désirs de la chair. Quand l'Esprit Saint est là, tu l'es là, la victoire. Alléluia. Est totale. La victoire est totale quand l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est nous là. Nous sommes plus les forces remplies de saint. L'ennemi est capable de tout. Et l'ennemi est mis en déroute par la puissance quand du Saint-Esprit. Et un second qui interpelle celle-ci, pendant que le souffle de vie est à leur portée, car après la mort, impossible de le faire. Avec Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, tu auras la vie, tu auras la vie, la vie éternelle. Conquis par la préface de l'histoire que continuaient de conter les semeurs, le peuple de Dieu était prêt à lire la page qui parlait des premiers instants de 2024 sous le regard bienveillant du Seigneur qui se nourrissait des chants de gratitude à lui dédiés pour ses hauts bienfaits en 2023 et pour le salut des âmes perdues. Voyons de Dieu, tu mérites toute la gloire, Jésus-Christ. Avec leur chorégraphie, l'on pouvait lire « Jésus, nous t'aimons, parce que c'est grâce à toi seul qu'une telle performance peut être accomplie. » Et c'est ce que signifie si bien la sœur Carole Babatunde. Nous bénissons le Seigneur pour cette
nuit d'action de grâce et de louange du 31 décembre 2023. Nous sommes au 1er janvier 2024. Le Seigneur a été fidèle pour nous une fois de plus. Vraiment, notre merci ne finira jamais, comme on l'a chanté au cours de cette nuit. Nous avons vu la main de Dieu qui nous a conduits. Par la grâce de Dieu, on a décidé d'écrire au sol. Après avoir dit merci Jésus, au mois d'août, on a voulu dire cette fois, Jésus, nous t'aimons. 2024, on est ensemble. On ne l'a pas écrit hier, mais c'était dans nos cœurs, cette partie-là. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que cela soit fait, qui a prouvé à des calligraphes qui ont écrit ça au sol pour nous et qui nous ont aidés à la mise en place. Toute l'équipe derrière qui a permis la réalisation de ce chef-d'œuvre d'écriture pour notre bonne année à Jésus. Et nous bénissons le Seigneur également qui nous a conduits dans l'exécution des différents chants, la répartition, la préparation des différents éléments, la retraite de chaque semeur en vue de la préparation de cet événement, de cette nuit, la traversée. Nous bénissons le Seigneur. Nous étions autour de 550 semeurs. Nous bénissons le Seigneur pour les enfants qui étaient là, pour les femmes enceintes qui étaient là. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes qui étaient là. Nous bénissons le Seigneur pour chaque musicien. Nous bénissons le Seigneur qui nous a inspiré de nouveaux pas de danse aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour son assistance qui était évidente pour nous tout au long de la nuit. Et nous le bénissons aussi pour notre don spécial d'action de grâce qu'il nous a accordé de déposer à ses pieds ce matin. Et nous rentrons dans une nouvelle année avec de gros projets dans nos cœurs, de gros projets d'amour pour notre Seigneur Jésus, avec de grands rêves que nous allons réaliser avec son secours, parce que c'est lui qui nous rend capables. Il nous a rendus capables dans le passé et il nous rendra encore capables pour la nouvelle année. Et nous lui sommes reconnaissants déjà pour ce que sa main nous permettra de faire. Que son nom soit béni. Et nous souhaitons une excellente année 2024 à tous les frères, à la CMCI à travers le monde. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons les pas des frères. Nous prions que le Seigneur garde ferme chacun, tel qu'il nous a permis de rentrer en 2024 fort, debout, qu'il nous accorde d'arriver au terme de cette année fidèle, debout, dans le Seigneur, physiquement en bonne santé et rempli de richesses matérielles, financières, avec lesquels on viendra lui dire merci le 31 décembre 2024. Amen. Amen. Aimer davantage le Seigneur et lui offrir le meilleur service est le slogan des semeurs pour cette année 2024.